Ces Spring Vlog de 2024. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Alors, je suis Céline alias Madame Bibiche alias See You Later Knits. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, je vous note dans la barre de description là où vous pouvez me retrouver, tout ça, tout ça. Et vous êtes présentement sur le premier épisode de Spring Vlog 2024. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec ce concept de Spring Vlog ou Vlogtober ou Vlogmas, etc. L'idée, là, pour moi, c'est que je vais venir vous retrouver tous les jours avec des petites vidéos. Alors, vous êtes sur une chaîne de tricot, hein, donc on va dans ces vidéos parler tricot au jour le jour, voir les avancées de mes projets, etc. Mais pas que. Je vais vous emmener aussi un petit peu avec moi dans mon quotidien, les balades, la cuisine, les lectures, tout un tas de petites choses. Mais voilà, l'idée, c'est de se retrouver tous les jours, des petites vidéos entre 10 minutes, parfois plus parce que je suis très bavarde. Mais voilà, un petit rendez-vous quotidien sur tout le long du mois d'avril. Et puis voilà, histoire de passer un début de printemps ensemble. Alors voilà, vous avec un petit rendez-vous quotidien pour vous accompagner. Je sais que bien souvent vous me regardez en prenant votre petit déjeuner le matin, le petit café du matin pendant ces Spring Vlogs. Et puis ben, moi ça me permet pendant ce mois d'avril de un petit peu me booster. Alors, les vlogs, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que, contrairement au podcast, voilà, il faut penser à filmer des petits moments de sa journée et puis après, réussir à faire un joli montage, voilà, rajouter des musiques, des images, des trucs. C'est aussi pour moi une très, très bonne façon de me motivée parfois à mettre en place des projets ou des idées que j'ai de longue date, des choses que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais que pour X ou Y raison, et ben je repousse. Et quand arrive cette période des vlogs, alors moi je sais que j'en fais maintenant deux fois par an, vraiment au mois d'octobre et puis au mois d'avril, donc je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est vraiment pour moi l'occasion de, comme j'ai envie de vous montrer des choses et des belles choses, et ben c'est l'occasion de enfin faire les choses qui attendaient depuis longtemps. Voilà, mais aussi de vous emmener dans oui, du quotidien, effectivement, donc et du ménage, et des petites courses, et des choses comme ça, bref. Du quotidien, de ma vie de tricoteuse, mais pas que. Voilà. Donc, 1er avril. Hein, donc, bon, ceci n'est pas une blague. Hein, je suis bien là pendant tout le mois d'avril. Normalement, à raison d'une vidéo par jour. Et puis, bon, on ne sait jamais. Hein, y a des fois des petits ratés, mais logiquement, voilà, je vais prendre le pli. C'est les premiers jours qui sont difficiles. Et puis après, ça roule. Oui, donc je disais 1er avril.
Voilà, je me balade comme ça dans la maison depuis ce matin. Je trouvais ça étrange. Le premier qu'on m'a posé, je ne l'ai pas vu venir. Hein. J'ai eu un énorme câlin du matin. Je me suis dit, bah, il est bien sympa celui-là. Après, quand j'en ai eu un deuxième et que j'ai senti qu'en plus ça tapotait dans mon dos, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le 1er avril. Donc voilà. C'est aussi le lundi de Pâques aujourd'hui, donc jour férié, tout le monde est à la maison. Mon mari ne travaille pas, les enfants n'ont pas cours, donc tout le monde est là aujourd'hui. Le temps n'est pas fameux. De toute façon, nous on a eu, là en Moselle, on a eu un grand week-end de 4 jours. Hein. Le vendredi, c'est le vendredi saint, et en Moselle, il est férié aussi. Donc on a eu un grand week-end de 4 jours et je dois bien dire que à part hier où nous étions chez mes beaux-parents, donc pas en Moselle, et donc où il a fait un temps à peu près correct, même si on a eu quand même quelques averses, je pense que je vous aurais mis des petites images avant de notre journée d'hier, donc voilà, vous aurez vu que c'était pas fameux, mais c'était pas non plus comme aujourd'hui, où il pleut non-stop. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait eu envie, enfin les enfants adorent faire, comme ce qu'on a déjà fait hier chez mes beaux-parents, une petite chasse aux œufs dans le jardin. Pour l'instant c'est compromis, j'ai pas trop regardé ce que donnait la météo pour le reste de la journée. En même temps, est-ce que c'est très très fiable cette histoire? Ouais, la pluie devrait cesser aux alentours de 13h. Et cet après-midi, bon, clairement, il fera nuageux tout ça, mais au moins s'il pleut pas, on peut peut-être envisager quelque chose. À voir, à suivre. Je crois avoir entendu aussi que mon grand avait des copains qui venaient à la maison cet après-midi. Toujours bien d'être prévenu à la dernière minute. Je vais peut-être leur préparer un petit truc à grignoter pour le goûter. On va voir. Et sinon, niveau tricot, et ben là, je vais m'installer pour une petite session tricot, puisque hier n'étant pas là, je n'ai pas encore pu regarder le podcast de Lauriane Laudemoiselle. Normalement, ma petite routine du dimanche. Je regarde ma vidéo de Lauriane en tricotant. Bon, ben là, j'étais pas là, donc ça sera ma petite routine du lundi. Et mon programme en regardant le podcast de Lauriane, c'est de finir. Je veux le finir aujourd'hui. Je m'étais dit que c'était vraiment là pendant ce week-end pascal que je finissais ce pull. Je veux finir le pull Moby Sweater de mon mari. Et je suis actuellement sur la fin de la deuxième manche. Je regarde, j'ai fait 114 rangs sur les 136 que je dois faire là du motif, enfin avec le motif, etc. Après, j'irai encore les côtes et puis le rabat. Et une fois que ça c'est fini, j'ai tout fini. Donc, j'imaginais terminer ça là aujourd'hui et faire le rentrée des fils. Le rabat et rentrer les fils ce soir en se regardant un petit truc devant la télé pour pouvoir ensuite mettre ce pull à laver et à bloquer demain. Oh, j'espère. Donc, je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais me mettre mon petit podcast et puis partir là-dessus. Je viens donc de me rendre compte, par contre, que j'étais à la fin de ma pelote et que j'ai laissé l'autre pelote en bas. Donc, je vais aller la chercher. À moins que je... Non, j'ai... Oui, alors, je dis rentrer les fils. Rentrer les fils, because j'ai pensé... sur ce pull à appliquer la méthode du speed splicing. Donc c'est une méthode où vous prenez vos deux bouts, il me restait quand même un petit reste donc je pense que je vais le prendre là, vous prenez l'ancienne pelote, la nouvelle pelote, vous les dépiotez là un petit peu, voilà, tac 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 tac, et puis l'autre aussi. Et puis ensuite, vous allez venir les tournicoter comme ça l'un avec l'autre.
un petit peu de salive, vous faites frotter comme ça entre vos paumes de main pour que ça chauffe et du coup ça feutre. Et ce qui permet d'avoir... Ah bah qu'est-ce que c'est que ce morceau de laine tout seul dans ma pelote? Bah bravo! Bravo! Ce qui permet d'avoir du coup pas de fil à rentrer. Ça ne marche bien entendu qu'avec la pure laine. Hein. Si on essaye de faire ça avec un fil acrylique ou bah, je pense même un mérino nylon ou ce genre de truc, ça ne marche pas. Mais là je suis sur une 100% pure laine. C'est la Perguint de chez Sandnes Garn. Donc ça marche très bien. Le problème c'est que je n'ai pensé à faire cette méthode que... je crois déjà sur la première manche. Bref, que sur la première manche. Donc tout le reste du pull était déjà tricoté. Et là-dedans j'ai mis dans le corps du pull, il y a 11 pelotes. Donc je vais avoir tous ces fils-là à rentrer. Oui, c'est pas grave. Hein, voilà, s'il ne reste plus que ça à faire, ça sera déjà bien. Donc... c'est parti pour ma petite Lauriane et pour ma petite manche. non, ma très longue manche. À plus tard. C'est super doux, très très doux comme laine. C'était la base bivouac de la pelote vagabonde. Mais voilà, ça je pense que je referai des vidéos pour vous en reparler un petit peu en détail. Ça aussi, ça vous plaît, je suis contente. I remember the days. Years ago that never fade away, and I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. In the old neighborhood, as the clock strikes one, the memory lives just as it stood, like a quiet dream. The shadows of that time are beneath the streetlight beam. As the world moves on, time sings a song. Don't cry, don't cry. As the days move, vous êtes bancal. Alors oui, bienvenue aussi pour un mois de position bancale. Vous êtes présentement calé sur un coussin, donc autant vous dire que si par hasard je bouge un petit peu trop, c'est la chute assurée. Donc voilà, hein, c'est aussi ça les vlogs, les spring vlogs ou les vlogtober, c'est aussi ça, des aménagements un petit peu, comment dire, aléatoires. Voilà, donc on se retrouve fin de journée, je crois qu'il est quasiment 18h. Donc je vais pas tarder à aller rameuter tout le monde pour qui prendre les douches. Et qui m'aidait à préparer la soupe de ce soir, petite soupe ce soir, vu le temps qu'il a fait tout ce week-end et vu la tonasse de chocolat qu'on a mangé, peut-être que finalement c'est pas plus mal de manger quelques légumes. Ça nous fera du bien même, je pense.
Donc voilà, on va aller se faire ça là pour pas être trop dans les choux ce soir et puis commencer la semaine hein, aussi bien que possible. C'était également le week-end du changement d'heure ici en France. Et mes misères, mais je suis complètement décoiffée. On voit que j'ai fait de la chasse à l'œuf dans le jardin. Ouais, week-end de changement d'heure. Donc on s'est levé dimanche matin et on avait perdu 1 heure. Eh ben, je sais pas comment c'est chez vous, mais moi, plus je vieillis et plus ces changements d'heure sont problématiques. J'ai l'impression qu'il me faut 3 semaines pour m'en remettre, donc autant vous dire que voilà, hein, là tout de suite, je ne rêve que d'une chose, c'est d'aller me coucher, mais c'est pas tout de suite. Et il est 18h, hein, donc bon, 17h ancienne heure, autant vous dire que fiouf! Donc voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me faire mon petit rabat à l'italienne sur ma deuxième manche. Donc mission accomplie, mes amis. Mission accomplie, j'ai fini la deuxième manche du Mobi. Donc bah là, une fois que j'ai rabattu, ça y est, hein, on peut dire que la bête est terminée. Bon, j'ai encore le rentrage de fil, quoi. Mais je vais faire ça ce soir, je pense. Comme ça, je suis vraiment débarrassée et demain, je peux le mettre à bloquer. Oh, quel bonheur, j'en pleurais de joie, tellement je suis contente. Bon, je lui ai fait essayer quand même au fur et à mesure, hein, à mon mari, donc je sais que la taille est bonne. Quand même, le pull est un petit peu pour l'instant fité, hein, il est plutôt proche du corps. L'effet qu'on recherche, c'est un petit peu plus, non pas oversize, mais un petit peu plus lâche sur le corps. Donc bah là, voilà, le blocage, à mon avis, va avoir toute son importance. Mais une fois de plus, alors le point, le double moss stitch, là, le point texturé, il gagne un petit peu au blocage, mais pas tant que ça. Par contre, ce qui gagne beaucoup, c'est les torsades et cette petite. Ces petits croisillons là, comment on va appeler ça? Ces petits croisillons, ça sera très bien. Donc voilà, ça je sais qu'on va gagner un petit peu. Par contre, en longueur, là faut vraiment pas que je. Enfin, faut vraiment que je fasse attention que le poids de l'eau ne le tire pas vers le bas parce qu'il est bien. Il faudrait pas qu'il soit plus grand, il est bien. Donc voilà, mon petit programme de la soirée, je rentre les fils. Et mon petit programme de demain, je lave et je bloque la bête, la bête. Donc je suis vraiment très très contente. Je pense que ça se voit. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre? Alors, comme vous le savez peut-être, hein, si vous me suivez depuis un petit moment, nous on habite une maison à étage. Et là présentement, je suis donc dans ma chambre qui est sous les combles, donc vraiment au dernier étage de la maison. Et ce que je fais, c'est que je dissémine des tricots un petit peu partout à chaque étage de la maison pour ne pas être prise au dépourvu. Et que voilà, quand je me retrouve à un étage plutôt qu'à un autre, là vous voyez, je suis là pour enregistrer parce que bah, tout le monde est au rez-de-chaussée. Donc je peux pas enregistrer avec toute la famille en bas en train de vaquer à leurs occupations, mais voilà, sinon ça ferait trop de bruit autour. Donc j'ai toujours un tricot à droite, un tricot à gauche pour vraiment pouvoir tricoter peu importe où je suis dans la maison. Et du coup, donc quand j'étais en haut, j'ai avancé sur ça, et quand j'étais en bas, genre tout à l'heure quand j'ai fait mes petits gâteaux et tout ça, d'ailleurs très bien, un petit gâteau chocolat classique et cœur fondant, j'ai mis comment est-ce qu'elle s'appelle cette la Delicioso pistache. Je vous mettrai les références en dessous. Autant je vais essayer de pas oublier des choses, enfin devoir faire des incrustations et tout ça dans les podcasts, mais par contre. Je vais essayer de penser à vous mettre les références des choses dont je parle. Vraiment, j'essaierai de vous les mettre dans la barre de description. Je vais essayer. Donc ouais, c'est trop bon là, c'est une petite pâte à tartiner à la pistache. C'est absolument décadent et indécent. C'est vraiment très très bon. Je me dis, je ne vous regarde pas depuis tout à l'heure, peut-être que c'est embêtant. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Donc bref, donc j'ai avancé sur mon. Non, sinon je saurais plus où j'en suis dans mon rabat. Oh, c'est tellement addictif le rabat à l'italienne. C'est tellement addictif et ça fait. Alors déjà, ça fait des finitions qui sont alors, propres, propres, propres.
Et puis, c'est vraiment bien élastique. Donc à l'étage, j'avais mon pull. Et au rez-de-chaussée, j'avais ma petite paire de chaussettes à la vanille. Alors, hop! Voilà, la première, elle est déjà là. Et puis la deuxième, je l'ai montée hier dans la voiture pour aller chez mes beaux-parents. Et j'avais tricoté, je pense, peut-être une vingtaine de rangs après après les diminutions du gousset. Alors non, une vingtaine de rangs après le talon. Ouais, quand j'avais rejoint en rond. Et bah voilà, j'ai ravancé encore un petit peu. Je crois qu'il me reste une dizaine de rangs à faire là avant de faire les orteils. Donc autant vous dire que celle-ci, elle va être bien vite terminée. C'est de la Manos del Uruguay. Leur qualité, c'est Alegria. C'est la 75 laine et 25% polyamide. Le coloris, c'est Malvine. Et c'est une paire de chaussettes que je tricote pour une des maîtresses de l'école de ma petite dernière. Elle avait acheté la laine, elle avait craqué, voilà. Et ne sachant pas tricoter de chaussettes, elle a essayé, mais elle n'y arrive pas. Je me suis dévouée. Non, je pense pas qu'on puisse dire ça parce que en fait, c'est gagnant-gagnant dans l'histoire. Moi, je peux tricoter des chaussettes et je ne suis pas obligée de les garder à la fin. Ce qui est bien car franchement, j'ai beaucoup trop de chaussettes... pour l'instant, donc c'est très bien de tricoter pour les autres. Et en plus, bah du coup, des belles laines que je n'ai pas achetées et que je n'aurais probablement... Enfin, je sais pas si j'aurais pas choisi, mais c'est vrai que c'est pas forcément les coloris vers lesquels je vais. Et les bleus, comme ça... Regardez cette belle laine, elle est magnifique. Mais voilà, je sais pas si moi, je serais allée vers cet écheveau-là. J'aurais peut-être plutôt choisi du rose, hein, vous commencez à me connaître. Et pour autant, eh ben, je me régale à tricoter cette petite paire de chaussettes qui sera bien vite terminée. La dernière chose dont je voulais vous parler... ça cogite, puisque je suis tombée hier sur la stories d'une de mes... d'une de mes copines... Delphine, c'est Sally Doom sur Instagram. Et regardez le petit début de chaussettes qu'elle a posté hier. C'est un modèle de... Ah, bah j'ai plus de batterie. Je suis au bout, mes amis. C'est un modèle de encre violette, les Annie Socks. A2NI Socks. Et je lui ai dit, hein, j'ai craqué sur ton combo de couleurs là. Et j'ai, moi, cette pelote de Javol qui m'avait été offerte par l'une d'entre vous il y a quelques temps, qui me l'avait pris à la mercerie Rographe, je crois, que c'est un des cadeaux que j'avais, voilà, qui m'avait été laissé chez ma petite Sandrine. Je lui ai dit, hein, je pense que je vais craquer sur des couleurs similaires. J'adore son association. Je vois bien, voilà, un petit gris ou quoi, mais j'ai regardé dans mon stock, j'ai rien trouvé qui pourrait convenir. Ça cogite. La référence de cette Javol rose presque fluo, hein, ouais, presque fluo, c'est le coloris 385. Donc, je pense que c'est un des prochains projet que je mets sur mes aiguilles. J'en ai d'autres en stock, mais je vous en reparle courant de cette semaine. Allez, je termine mon petit rabat, je vais faire mon montage, la soupe, et je vous dis à demain. J'espère que ce premier épisode de Spring Vlog vous a plu. Beaucoup de chocolat, hein, mais ça c'était la thématique du week-end. Ah, d'ailleurs, vous avez vu, j'avais assorti mon petit marqueur pour ma chaussette. T'es où ? Mon petit fondant au chocolat. Voilà. Mon petit fondant au chocolat. C'est un petit cadeau de la mercière de la mercerie. Enfin, de la mercerie. Du magasin de laine. Parce que, est-ce qu'elle fait mercerie ? Non, je crois pas. Il y a vraiment que de la laine. Chez Bois de Laine à Colmar. Voilà. Elle m'avait offert de jolis petits marqueurs. Dès que j'ai les aiguilles dans les mains, j'ai envie de tricoter. Donc voilà, elle m'avait offert deux jolis petits marqueurs gourmands. Donc moi j'ai choisi pour mes chaussettes le fondant au chocolat. Je trouvais qu'il était parfaitement adapté à ce week-end.
Je vais vous laisser là, je vous fais de gros bisous, je vous dis donc à demain. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je vais avoir beaucoup de mal à répondre aux commentaires, je pense, pendant ce mois. Mais en tout cas, sachez que je vous lis avec un plaisir immense. Je lis tous les messages que je reçois, même si je ne prends pas toujours le temps d'y répondre. Je vous embrasse très 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 fort. Allez, à demain, à demain. Ciao !